Cinque Terre. On a vraiment l'impression d'un pays tourné vers la mer et qui est coupé du reste du monde. On voit que chaque centimètre carré est utilisé, optimisé, il n'y a rien qui est perdu en termes de place. Vraiment des magnifiques villages, dans des superbes paysages et servis par une lumière incroyable. Le maillage de chemin, couplé au fait qu'on a une voie de chemin de fer qui relie chacun des 5 villages, permet d'adapter la randonnée à l'envie du moment, à la météo, à la forme qu'on a le jour où on fait la randonnée. Come avete mangiato? Avete mangiato bene? Molto bene. Molto bene. Avete fatto delle buone vacanze, avete visto i sentieri, i piccoli villaggi. E allora vi aspettiamo numerosi, eh? Venite presto. Ciao a tutti. È la pulce d'acqua che l'ombra ti rubò e tu ora sei malato. E la mosca d'autunno che hai schiacciato non ti perdonerà. Verde che hai schiacciato non ti perdonerà, e allora devi a lungo cantare per farti perdonare, e la pulce d'acqua che lo sa l'ombra ti renderà. La pulce d'acqua che l'ombra ti rubò e tu ora sei malato, e la mosca d'autunno che hai schiacciato non ti perdonerà. Sull'acqua del ruscello forse tu troppo ti sei inchinato, tu chiami la tua ombra ma lei non ritornerà. È la pulce d'acqua che l'ombra ti rubò e tu ora sei malato, e la serpe verde che hai schiacciato non ti perdonerà. E allora devi a lungo cantare per farti perdonare, e la pulce d'acqua che lo sa l'ombra ti renderà. Thank you.
brusca d'autunno che hai schiacciato non ti perdonerà. E allora devi a lungo cantare per farti perdonare, e la pulce d'acqua che lo sa l'ombra ti renderà. Falso mentre fingo l'allegria, sei il gran diffidente mentre fingi simpatia, come un terremoto in un deserto che e crolla tutto ed io son morto e nessuno se n'è accorto. Lo sanno tutti che in caso di pericolo si salva solo chi sa volare bene. Quindi se escludi gli aviatori, falchi, nuvole, gli aerei, aquile, angeli, rimani te. Ed io mi chiedo, ora che farai? Che nessuno ti verrà a salvare. Complimenti per la vita da campione. Insulti per l'errore di un rigore, e mi sento come chi sa piangere ancora la mia età, e ringrazio sempre chi sa piangere di notte alla mia età. E vita mia che mi hai dato tanto, amore, gioia, dolore, tutto, ma grazie a chi sa sempre perdonare sulla porta la mia età. Certo che facile non è mai stato, osservavo la vita come l'osserva un cieco. Perché ciò che è detto può far male, però ciò che è scritto può ferire per morire. E mi sento come chi sa piangere ancora la mia età, e ringrazio sempre chi sa piangere di notte alla mia età. E vita mia che mi hai dato tanto, amore, gioia, dolore, tutto, ma grazie a chi sa sempre perdonare sulla porta la mia età. E che la vita ti riservi ciò che serve, spero che piangerai per cose brutte, cose belle, spero senza rancore, che le tue paure siano pure l'allegria mancata poi diventi amore, anche se è perché solamente il caos della retorica confonde i gesti e le parole, le modifica, e è perché Dio mi ha suggerito che ti ho perdona per ciò che dice lui. L'ho ascoltato di notte alla mia età, di notte alla mia.
C'est un petit territoire côtier, 4200 hectares à peine, mais un site spectaculaire. Les Cinq Terres, un parc national, niché sur la Riviera italienne, au nord-ouest de la péninsule, en Ligurie. Un parc qui s'étend sur 20 km de côte rocheuse. Ce territoire, on le surnomme le parc de l'homme. Car depuis près de 1000 ans, les hommes ont façonné ce paysage abrupt de collines qui tombent dans la mer. Ils ont bâti sur la roche 5 villages, les Cinque Terre, blottis au bord de la Méditerranée. Les habitants des Cinq Terres ont aussi construit et cultivé des terrasses. Il reste aujourd'hui près de 7000 km de murs. C'est la petite muraille de la Ligurie. Au-dessus de Monte Rosso se dressent des kilomètres de terrasses. Sur les Cinq Terres, leur origine remonte au XIe siècle. Voici la propriété familiale de Davide. Sur cette propriété, Davide restaure patiemment les murs en terrasse depuis une douzaine d'années. Ce travail sans relâche, il le vit comme une passion pour son territoire. C'est une émotion immense. Avec une vue pareille, on ne pense plus à la difficulté du travail. Finissons ces terrasses et ce sera encore plus beau de là-haut. Voilà, c'est comme ça. Plus tu montes sur la colline, mieux tu vois ce miroir de la mer. Et la fatigue disparaît. Sur la propriété de Davide, comme dans toutes les Cinq Terres, les murs sont en pierre sèche. La technique de construction n'a pas changé depuis 1000 ans. À la base, un rocher ou des blocs anciens. Par-dessus, des pierres disposées avec précision pour assurer solidité et drainage durant des décennies. Chacun de ces murs, restauré dans la tradition, est déclaré auprès du parc national. Quand on fait un mur, on sent sa force. Elle vient de l'intérieur du mur lui-même. Surtout pour les personnes qui sont vraiment du métier. Tu sens quelque chose en toi qui te pousse à construire toujours plus de murs. Un défi qu'il relève au quotidien, sur ce terrain en forte pente, exposé à toutes les intempéries. Ici, quand il y a de très fortes pluies, l'eau tombe en cascade jusqu'en dessous de la maison. Ces murs ont assez bien tenu le coup. Ils sont vieux, mais ils résistent encore. Ils résistent, mais on voit que l'eau les a abîmés. Ils sont en train de s'effriter. Donc, il faut toujours reconstruire. Oui, ici, on a toujours besoin de reconstruire. On en refera un nouveau pour 150 ans. Thank you.
Dans la famille, c'est surtout Marie qui s'occupe des plantations sur les terrasses. Marie, la femme de Davidé, est française. Vous avez de nombreuses plantations sur ces terrasses ? Oui. Donc, par exemple, les pamplemoussiers. Hein, donc, on a aussi des citronniers qui font partie vraiment de la spécialité du territoire ici de Monterosso. Sinon, ici, on est dans le jardin des herbes aromatiques. Donc, là, vous avez la santoline, qui est une herbe aromatique typique des bords de mer. Ça, c'est un grenadier. Donc là, on a la sauge, qui est énorme. La marjolaine, le thym, voilà, le romarin. Ici, la végétation est assez luxuriante. Ici, sans terrasse, pas de plantation possible. Pas d'espace de vie non plus pour la famille. Il n'y a rien à perdre et c'est vraiment obligatoire de terrasser pour avoir même un petit espace comme ça. Là, je ne sais pas, vous voyez, on a 3 mètres. Quoi, hein, et pour avoir 3 mètres, vous avez besoin d'un mur de 2 mètres d'un côté et de 3,50 mètres de l'autre. Donc c'est vrai que c'est chaque mètre carré plane est vraiment extirpé au territoire. Résultat, toute l'année, la famille récolte des fruits et légumes sur les terrasses. Focaccia, tu veux un peu de focaccia? C'est un vrai plaisir au moment où on les partage avec les enfants, où on peut les partager avec notre famille, où on peut les partager avec nos hôtes. Voilà, on a vraiment l'impression c'est vraiment le territoire qui ressort. Et puis notre attachement à ce territoire. J'ai goûté. Elle est bonne, hein? Je pense qu'avec Davidé, on a vraiment envie d'être un peu résistant à ce niveau-là et de poursuivre ce travail, quoi. Et les fruits en sont vraiment une des motivations. Fini. On laisse pas une goutte, hein. Les cinq terres, face à la mer, ce sont donc des villages. Des villages quasiment inaccessibles jusqu'au 19e siècle, jusqu'à l'arrivée du chemin de fer. Aujourd'hui encore, le train reste le moyen de transport le plus rapide pour relier les villages entre eux. Des villages particulièrement protégés au sein du parc national. Aucune construction nouvelle n'y est autorisée. Les voitures n'y circulent que 4 heures par jour. Sur cette côte préservée, à l'extrémité des Cinq Terres, voici l'un des plus beaux villages de la Ligurie. Porto Venere et son front de mer, aux allures de forteresse. Ce sont les maisons les plus anciennes, qu'on appelle Palazzata a Mare. Au XIIIe siècle, ces maisons avaient pratiquement les pieds dans la mer. Les quais ont été construits bien plus tard, entre les deux guerres mondiales. Au Moyen Âge, cette Palazzata était imprenable pour les pirates. De véritables maisons-tours, donc, très étroites. Leur largeur n'excède pas 3,40 m. Les couleurs de ces façades ont été conçues à partir de matériaux locaux. Le rouge a été fabriqué avec de la tuile pilée. Ce rouge ligure, que l'on voit sur certaines maisons, était la couleur de base. On y ajoutait d'autres teintes que l'on avait sous la main, un peu de jaune, un peu de vert. Aujourd'hui, les monuments historiques imposent de respecter ces couleurs d'origine quand il faut restaurer les façades. Aucune porte d'entrée en façade. On ne peut pénétrer dans les maisons que par l'arrière, à l'intérieur même du village. Questa
Ici, nous sommes dans la rue principale, étroite et peu lumineuse. Il y a quatre rues parallèles qui traversent le village. Et sur la gauche, vous avez un petit escalier typique qui descend vers l'eau. Celui-ci est l'un des plus beaux, avec une vue splendide sur la mer. Gianni retrouve Sandra, l'une de ses amies. Eccoci, ciao. Meno male che si riesce ancora a fare queste scale. Son appartement se trouve dans une des maisons du front de mer. Elle y vit la moitié de l'année. Un appartement tout en longueur, jusqu'au salon, qui s'ouvre aux lumières de la Méditerranée. Quand j'arrive de l'autre bout de l'appartement, ici j'ai l'impression que je plonge dans l'eau. J'ouvre la fenêtre, je regarde devant moi et j'éprouve une sensation de paix, de sérénité. C'est Gianni qui a restauré cet appartement en réunissant deux habitations anciennes. Cette habitation était très petite. Elles le sont toutes à Porto Venere. Puis les propriétaires ont acheté l'appartement de l'immeuble d'à côté. Les deux niveaux de sol étaient différents. Alors nous avons détruit le mur porteur qui était très épais et nous avons transformé ces deux petits logis en un appartement plus grand. Au-dessus de Porto Venere, une autre maison restaurée par Gianni. C'est une villa balnéaire du début du XXe siècle. Elle a conservé son sol en mosaïque de marbre, ainsi que ses moulures au plafond. Dans l'encadrement de la fenêtre, se dessine la silhouette du village fortifié. Et à l'intérieur des remparts, la courbe des ruelles. C'est l'une des plus belles maisons de Porto Venere. Mais elle n'est pas très facile à vivre au quotidien. Il faut monter plusieurs escaliers pour pouvoir y accéder. Pendant les travaux de restauration, nous avons dû faire intervenir un hélicoptère pour transporter les matériaux. Les escaliers sont si étroits que les ouvriers ne pouvaient pas monter les tuiles et le reste des matériaux. Embarquement sur le bateau taxi. Dès qu'il le peut, Gianni quitte Porto Venere et rejoint l'île de Palmaria, à 5 minutes de là. Palmaria, petite île de 6 km², est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle fait partie du parc régional de Porto Venere. De même que ses deux îlots voisins, sauvages et peu accessibles. Ici, Tino. À côté, Tineto. Palmaria, protégée, très peu construite, riche en végétation méditerranéenne, a conservé intactes ses beautés naturelles. Gianni a la chance de posséder une petite maison familiale à Palmaria. Dès l'arrivée du printemps, il vient y passer quelques jours de détente. Bonjour. Ici, c'est votre refuge. Oui, c'est ma maison et c'est un paradis, parce qu'elle se trouve sur cette île. Nous sommes tout près de Porto Venere, mais nous nous sentons loin du monde. C'est une maison toute simple, parce que sur l'île, c'est toujours compliqué de construire. Ciao, siete già lì? Avete fatto il pesto? Arrivo. Sur la terrasse, Gianni rejoint sa femme et une amie, toutes deux en pleine préparation du pesto.
Tu commences comme ça et tu ajoutes petit à petit les ingrédients. Sur la table, de l'ail de Ligurie, des pignons italiens, du pecorino et du parmesan, de l'huile d'olive de Palmaria et du basilic local. Le tout broyé dans un mortier en marbre de Carrare. C'est important d'utiliser un mortier parce que les propriétés du basilic restent intactes. Le parfum, l'arôme, la couleur ne sont pas altérés. Au contact du bois et du marbre, tout reste authentique, comme doit l'être le vrai pesto ligure. Moi, j'adore cuisiner dehors. On fait le pesto, les pâtes et on dîne dehors le soir. Souvent, on pense à venir s'installer ici. Mais bon, quand il pleut, ce n'est pas facile. En fait, de mai jusqu'à fin octobre, on est vraiment bien ici. Le pesto, ce jour-là, se déguste sur de la focaccia. Tout sur l'île a une saveur différente, une saveur de liberté, de vacances. Et ce pesto est particulièrement bon. Oui, très bon. Vraiment. Au long de la côte, jusqu'au bout des cinq terres, la mer est devenue une zone protégée. Sur certains sites très sensibles, comme ici, près de Monte Rosso, il est interdit de pêcher et de naviguer. La plongée n'est autorisée qu'à des fins scientifiques. Pour les habitants des cinq terres, cette aire marine protégée est d'abord un véritable jardin, auquel ils sont fortement attachés. Leonardo vit à Manarola. Il est plongeur, apnéiste, champion du monde d'apnée sous glace. La mer fait partie de sa vie. Il en profite toute l'année, par tous les temps. J'ai grandi à Manarola. C'est ici que j'ai appris à nager. À plonger en apnée et avec les bouteilles. Ce lieu, je l'ai dans le cœur et dès que je peux, je viens ici pour plonger. Leonardo plonge pour son propre plaisir, mais également pour le parc national. Il inspecte souvent l'état des fonds sous-marins. Sous la houle se cache un autre monde. Un monde fascinant que Leonardo a longuement exploré. Ici, à l'intérieur de la roche, se trouve une petite grotte sous-marine vraiment merveilleuse, avec des jeux de lumière dès que les rayons du soleil s'y engouffrent. Il y a un autre lieu, très beau pour la plongée, c'est ce rocher aux poissons. Comme son nom l'indique, il est environné de multiples poissons. Plonger ici me procure une grande sensation de tranquillité, un vrai bien-être personnel. Voici ce que Leonardo a déjà filmé, sous le rocher aux poissons, ainsi que dans toute l'aire marine protégée. Une faune et une flore parfois étonnantes, révélées par la lumière. L'aire marine protégée a permis de sauver un site qui commençait à décliner.
Depuis sa création, les conditions écologiques se sont améliorées. Plusieurs espèces en voie de disparition, ici, se sont régénérées. Et d'autres sont revenues peupler les fonds. Les individus ont même pris du poids. Ce monde me passionne. Et quand je reviens du large, quand je vois la côte, le village, c'est toujours une même émotion. Ce jour-là, Leonardo se prépare à une mission délicate. Il doit plonger en apnée avec des électrodes sur le corps. Toutes les données captées sont enregistrées par un électrocardiographe, enfermé dans ce boîtier étanche. Un exemplaire unique, fabriqué pour Leonardo et son association, Cinque Terre Academy. Est-ce que vous êtes heureuse de participer à ces expériences ? Oui, beaucoup, parce que c'est une nouveauté. Et j'en vois déjà les résultats et les applications. Ces expériences seront utiles dans la vie, même pour traiter des pathologies qui n'ont rien à voir avec la plongée sous-marine. Ce travail de recherche est réalisé en collaboration avec l'Université de Padoue. C'est une première en Italie. C'est une recherche qui me permet de me rapprocher encore plus de la mer. Chaque plongée peut apparaître comme un défi, mais en fait, la mer me donne toujours ma chance. Elle se laisse approcher et découvrir. La mer nous apprend toujours quelque chose sur nous-mêmes. Plus nous comprendrons la mer, plus nous pourrons transformer l'homme. Dernière escale à Manarola. Une véritable mosaïque de pierres colorées, enchâssées dans la verdure. Ce sont des oliviers, et surtout des vignes, qui grimpent sur les flancs escarpés des collines. Sur les cinq terres, on trouve des vignes jusqu'à 350 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce vignoble en amphithéâtre, vertigineux, exploité dans des conditions difficiles, a lui aussi contribué à la réputation des cinq terres. Cesare possède un vignoble sur les hauteurs de Manarola. À chaque fois qu'il veut travailler sur ses terres, il a recours à ce monorail. La pente ici frôle les 50 degrés. Depuis la fin des années 90, une cinquantaine de monorails ont été installés dans tout le parc national, à la libre disposition des viticulteurs. Pour accéder à ces parcelles, Cesare doit changer d'aiguillage. La manœuvre est simple et rapide.
En un tour de main, il peut rejoindre ses terrasses tout en haut de la colline. La grimpette dure une dizaine de minutes. Autrefois, on montait tout à dos d'homme et on travaillait sur les parcelles du matin jusqu'au soir. C'était la seule solution pour survivre. Aujourd'hui, c'est différent. Le monorail nous est devenu indispensable pour porter le matériel au bout de la parcelle. Sur les cinq terres, Cesare est l'un des rares viticulteurs qui réussit à vivre de sa passion. Les conditions de travail ici ne sont pas faciles. Mais la vigne, elle, a trouvé des conditions favorables. Les vignes ont trouvé ici le meilleur des berceaux pour grandir, le plus confortable possible. L'influence de la mer et du soleil font que la plante se développe au mieux. Et nous sentons partout cette influence du sel. Parce que même si on est loin de la mer, quand il y a une tempête, on sent jusqu'ici le sel dans la bouche. Ce jour-là, Cesare est venu planter de jeunes pieds de vigne. Sur cette nouvelle parcelle, qu'il finit à peine de nettoyer. C'est une histoire de famille, la vigne. Mon grand-père, mon oncle m'ont transmis cette passion. Et même si c'est dur, ça me plaît. Ça me plaît d'être à la campagne et de voir grandir mes vignes. Planter de nouvelles vignes, défricher des parcelles, c'est aussi pour lui une façon de se battre et de sauver des terrasses laissées à l'abandon au fil du temps. Sur l'autre versant de la colline, j'ai acheté et cultivé des terres il y a quelques années. Juste à côté se trouvent des parcelles que je vendangeais il y a 20 ans. Aujourd'hui, ces parcelles sont abandonnées. Et comme elles sont très proches de mes terres, je vais essayer de les nettoyer et d'y replanter des vignes. C'est à Manarola que Cesare vinifie son raisin. Dans sa cave familiale, restaurée et modernisée. Ensuite, il n'a que quelques pas à faire dans la ruelle du village pour aller mettre son vin en bouteille. Et pour finir la journée, en compagnie de ses amis, il goûte son Chiacchetta, un vin moelleux devenu l'un des symboles du parc national. Salut, hein? Cin, cin, cin. Il a fallu beaucoup de travail pour produire ce vin. Et après, c'est une joie, une fierté de le boire. C'est la récompense du travail accompli toute l'année. Il reflète les couleurs chaudes de nos paysages quand commence la belle saison. Il reflète bien ce que sont les cinq terres, tellement chaleureuses. Et cette couleur t'enchante. Les cinq terres, un territoire à la fois beau et rude. Ici, depuis mille ans, les hommes ont travaillé dur pour vivre en harmonie avec cet environnement. De la terre à la mer, ce lien profond résiste au temps.